De loin, difficile de faire la différence entre nos deux tracteurs classes. D'un côté, l'Arion 530 et de l'autre, l'Arion 610. Le premier est un 4 cylindres en finition CIS. Le second est un 6 cylindres en finition CIS+. Nous avons pris en main ces deux tracteurs de 145 chevaux sur les routes et dans les parcelles de l'Indre. Préparation des terres à tournesol et transport étaient au programme de cette semaine d'essai. Les différences entre les deux finitions de nos tracteurs sont subtiles. Le CIS+ est notamment équipé de distributeurs électro-hydrauliques ainsi que d'un inverseur sur le joystick. On note aussi la présence de l'écran couleur CIS dans le montant avant. Pour les deux finitions, les commandes de la transmission et du relevage trouvent place dans un accoudoir multifonction. Nos deux modèles sont équipés de la transmission semi-power shift Exashift. Elle est équipée d'une fonction auto et fonctionne en mode route ou champ. Elle a su nous satisfaire sur la route en alliant souplesse et réactivité. L'avantage va cependant à l'Arion 610 qui était équipé de la fonction Smart and Stop. Elle permet de s'arrêter sans débrayer. Au champ, peu d'écart entre nos deux tracteurs, confort et visibilité sont au rendez-vous. Pour nos deux tracteurs, nous avons apprécié les possibilités de réglage offertes par la transmission. Même si les commandes du mode route et champ manquent de clarté avec le passage à la Mother Regulation, les commandes principales tombent sous la main et sont bien ergonomiques. On regrette cependant la navigation dans l'écran un peu complexe. Au final, le CIS+ apporte un certain confort avec les distributeurs électro-hydrauliques. L'inverseur sur le joystick trouvera de la pertinence avec une utilisation au chargeur frontal. Le CIS reste un bon compromis pour ceux qui recherchent la simplicité et l'ergonomie. Notons enfin que le CIS+ est disponible avec la variation continue, ce qui n'est pas le cas du CIS.